Hey, matelot, ici Defroy et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel de gâteau géant sur Minecraft. Oui, comme tu peux le voir, carrément un gâteau, voilà. Parce qu'en fait, ça m'a été lancé, il y a un défi, le défi gâteau en fait qui s'appelle sur YouTube, c'est-à-dire c'est un défi qui dit qu'on doit lancer une partie en survival sur Minecraft et on doit construire le gâteau le plus vite possible, mais un gâteau comme ça quoi, un vrai gâteau à bouffer. Sauf que moi du coup, je me suis dit... Ouais, non, voilà. C'était Oran, un certain Oran ou Oran d'ailleurs, je sais pas comment on prononce ton pseudo, qui m'a lancé ce défi-là de faire un gâteau comme ça, hein, le défi gâteau. Et je me suis dit, je vais le faire, mais je vais le faire à ma façon le gâteau, tu vois. C'est-à-dire, je vais pas faire une série, je vais pas faire du survival parce que ça me gonfle, donc je vais faire du créatif déjà. Et je vais faire, il pleut plus, magnifique. Je vais faire, je vais pas le faire une cuisine avec un gâteau dedans, je vais faire un gâteau géant. Avec une cuisine dedans. Mais oui! mais oui, je suis comme ça moi, ça n'a aucun sens, j'adore! En fait voilà, donc le délire c'est de faire une cuisine dans un gâteau géant pour répondre un peu à ce défi-là. Donc voilà, de manière complètement troll, et puis à peu près tout, je fais ce que je veux non plus, faut pas déconner, plus longtemps que ça. Donc voilà, moi ça va être un peu ça, construire cette cuisine moderne, tout ce qu'il faut dans Minecraft, dans un gâteau géant, ça va être ça le... Le désir, le plaisir du truc, voilà. J'espère que Oran, ça te satisfera comme réponse à ton défi, voilà. Sur ce, donc, on va commencer, on va prendre le bloc de Red Sandstone, voilà, comme ça. Hein, donc, je sais pas comment ça s'appelle en français et je m'en fous, hein, je vais vous avouer. Donc, on va prendre ce bloc-là et on va le faire sur 14 blocs de longueur, ok? Donc voilà, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, parce que moi je m'étais planté la première fois. Donc je compte bien là, ici. Hein. Alors, et une fois qu'on a ça, on va faire un carré comme ça sur le sol de 14 blocs par 14 de red sandstone comme ça. Donc là on a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et après, on va hop, finir le carré, tout ce qu'il faut. Ok, bon. Alors, je vérifie quand même rapido si je me suis pas planté dans les dimensions parce que j'ai dû recommencer la vidéo à cause de ça. Ça, c'était pas mal. Hop, d'accord. Donc, on a 14 et on a 14. Magnifique. Ok, donc une fois qu'on a fait ça, on va prendre les coins de notre carré. Ok, et on va les monter à 4 blocs de hauteur. Tout en red sandstone, toujours. 2, 3, 4. Ok. 2, 3, 4. Et 2, 3, 4. Ok. Bon, jusque-là, on est bon. Admettons maintenant que ici, là, tu vois, sur cette façade-là du bâtiment, ça va être notre façade avant, tu vois, ça va être l'avant du truc. Ok. Donc, on va compter 5 blocs sur le côté. 1, 2, 3, 4, 5. Et à partir du sixième, on va en mettre un bloc par devant. Ok? Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Et un sixième par devant, donc des deux côtés. Et on va ouvrir comme ça. Donc, ça sera notre porte d'entrée, hein, tout simplement. Et donc, on va faire. Hop, une ouverture comme ça de 4 blocs de hauteur. Hop, comme ça. Pour avoir l'entrée du bâtiment, de la cuisine finalement. Ok, du coup, on va... Alors, attends, il est où mon plan? Ok, oui. Donc, sur le côté là, tu vois, on va prendre le côté gauche, ici, de notre pilier. Et on va faire, hop, deux blocs comme ça sur le côté. Ok, plus deux au-dessus. Ok, on va en mettre deux au-dessus comme ça, donc pile au-dessus de la porte d'entrée, d'accord? Puis après redécaler de deux, tu vois, avec deux blocs d'espace entre ces blocs-là et ces blocs-là, on va en remettre deux ici. Ok, voilà. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais construire la première façade et après on fera le reste, d'accord? Donc là, on a fini avec la redstone sandstone, pardon, donc on va utiliser la laine orange pour le coup, ok? La laine orange, hein, ce truc magnifique et ésotérique. Hop, et on va boucher complètement, hop, l'étage jusque-là, c'est-à-dire sur les 4 premiers blocs de hauteur, hein, on va complètement boucher le tout de laine orange, ok? Comme ça, voilà. On va prendre la laine grise du coup cette fois-ci. Alors pourquoi j'ai pris de la laine et pas autre chose? Parce que voilà, c'est à peu près tout. On va mettre 4 blocs de hauteur par-dessus les piliers de côté qu'on avait déjà mis, tu vois. Donc là on avait 4, donc on va remettre 2, 3, 4 blocs de piliers de laine grise, ok? De chaque côté, 2, 3, 4. Comme ça. Et on va, après ça, hop, les mettre par-dessus
tout le reste ici. Donc on a en gros une espèce de ligne comme ça en zigzag de kiwi, j'allais dire, mais ça n'a absolument aucun rapport avec les laines grises, voilà. Pourquoi, qu'est-ce que je fais avec les kiwis en ce moment? Je m'étais déjà gouré avec un truc comme ça. Enfin bon, bref. On va prendre la laine blanche, cette fois-ci. Ok. La laine blanche, et on va faire juste la ligne du haut. C'est-à-dire, voilà, la ligne du haut ici, comme ça. Voilà. Et pour le reste, pour tout le reste, on va mettre de la neige, en fait. Parce que, en fait, j'ai fait ça parce qu'il y a différentes teintes. Et où mon gâteau? Il est là. Il y a différentes teintes. Il est bizarre, d'ailleurs. Il n'a pas la même tronche selon comment on le regarde. Enfin bon, bref, oui, non, parce que là j'ai un pack de textures forcément, mais en fait quand tu prends le gâteau de base fait sur Minecraft, il y a pas mal de différentes teintes de gris, différentes teintes de blanc, et donc du coup, en mettant de la laine et de la neige, ça nous fait les différentes teintes de blanc en fait, c'est tout. Voilà, donc là on a notre première façade, mais évidemment ça serait trop simple, tu vois, de laisser ça juste comme ça, pour... voilà. Donc l'idée en fait c'est qu'on va augmenter un peu de relief... la façade du bâtiment, et on va la ligne grise, tu vois, on va la surélever comme ça pour donner une espèce de guirlande, tu sais, qu'il y a autour des gâteaux, hein, avec un petit peu de décoration. Après on va reprendre les blocs de neige et on va les mettre par dessus les blocs gris. Ok, pouf, voilà. Et donc on a notre première façade du bâtiment, comme tu peux le voir. Alors maintenant on va faire la même chose sur les façades ici, là, et tout autour en fait, et les façades tout autour seront exactement les mêmes à chaque fois, donc je vais vous en montrer une et il suffira de la copier-coller, hein, tout simplement, ou de la refaire, si vous êtes en survival, c'est pas très long de toute façon. Donc voilà, sur cette façade là, on va tout simplement reprendre les piliers en gris, hein, qu'on va mettre au-dessus ici aussi, ok, voilà, magnifique. On va reprendre les laines blanches pour le dessus du truc, ok. Voilà, et on va reprendre évidemment les red sandstone ici comme ça, et on va hop en mettre deux sur le côté comme ça, puis deux au-dessus, et voilà, donc un truc comme ça aussi normalement, non peut-être pas quand même, voilà, donc on les met comme ici, c'est-à-dire que voilà, on en met les deux au-dessus ici comme ça, on en met deux d'écart, on en remet deux, on remet deux d'écart, et on en remet deux. Ok, comme ça. Voilà. Tout simplement. On rebouche, évidemment, avec de la laine orange sur les 4 premiers blocs. Ok. Pouf. Voilà, tout simplement. Et on va rajouter de la laine grise. Pouf. Par-dessus tout le reste. Comme ça, on a une espèce de guirlande en zigzag. C'est bien, c'est ce qu'on veut. On reprend, évidemment, la neige et on rebouche tout ici. Ok, donc pour l'instant c'est exactement pareil que pour la façade principale, donc on va reprendre évidemment hop, les reliefs sur le bâtiment, et c'est à partir du moment où on aura remis la neige ici comme ça que ça va changer un petit peu. C'est-à-dire que comme on n'est pas sur une façade, il va falloir mettre une fenêtre. C'est-à-dire que la fenêtre, on va en mettre une grande comme ça sur le côté, donc on va en mettre, 4, 5, et voilà, on va mettre 5 blocs d'espace par rapport au côté du bâtiment, hein. C'est-à-dire que on va utiliser les demi-blocs, pas du tout, les vitres en fait, les vitres de verre comme ça, et on va compter 5 blocs de chaque côté du bâtiment, donc là on a 3, 4, 5, et hop, à partir du 6ème on met un truc, donc 1, 2, 3, 4, 5, et hop, donc on va faire une fenêtre de 4 blocs de long, comme ça, ok, et histoire d'augmenter encore un petit peu la... comment ça s'appelle, le relief qu'on peut mettre dans le gâteau, histoire de rajouter un petit peu de décoration, tu vois, on va pouvoir utiliser des escaliers de sandstone, de red sandstone, donc de sandstone rouge, hop, et on va les utiliser pour faire un petit peu des décorations sur le côté des murs, comme ça, tu vois, ici, comme ça, on va mettre des escaliers à l'endroit et à l'envers, les uns sur les autres, ok, de manière à donner un petit peu de décoration, voilà, tout simplement au gâteau. Voilà, voilà. Donc, on reprend cette même façade-là et on les met, hop, sur les deux côtés qui manquent, hein, tout simplement. Ok, donc voilà. Une fois qu'on a fait ça, en fait, tu vois qu'il y a un espèce de trou en plein milieu du truc, donc c'est... Voilà, donc ça fait de l'aération, mais pour la flotte, c'est pas terrible, donc on va boucher, on va quand même mettre un toit, et on va mettre tout un toit en neige, voilà, comme ça. On va mettre tout en neige, basiquement, hein. Youp, voilà, on remplit la surface.
Ok, donc une fois qu'on a fait ça, on va mettre, comme tu peux le voir sur le modèle, des trucs rouges hein, pour faire rappeler à des fraises ou des trucs, des fruits rouges, avec des espèces de puits de lumière comme ça, tu vois. On va utiliser des espèces de carrés de blocs de verre comme ça pour donner de la lumière en dessous. Sauf qu'on va les disposer un petit peu de la même façon qu'on va mettre les cubes en rouge, tu vois. Donc voilà, ça va être un petit peu ça le truc un peu sympa de l'idée, c'est de prendre des puits de lumière qui vont se disposer de la même façon que la décoration finalement. Et donc ça, c'est plutôt sympa. Donc l'idée, c'est qu'on va d'abord mettre les blocs en rouge, donc on va utiliser des laines rouges, ok? Et on va les disposer un petit peu comme on veut finalement. On va utiliser 3 ou 4 gros pavés de 4 blocs de rouge, comme ça, tu vois. Et voilà, un petit sur le côté, pourquoi pas. Et juste deux ou trois blocs comme ça, disposés, deux, trois blocs simples, hein, disposés un petit peu comme ça. Donc pas trop non plus, hein, mais quand même trois ou quatre. Ok? Donc là, ça fait peut-être même un peu beaucoup, non, quoique peut-être pas. Non, c'est bon. Là, ok, donc on a ça. Et donc on va utiliser les espaces qu'il y a en plus, comme par exemple ici, là, comme ça, entre les blocs rouges, pour mettre des puits de verre. Hop, pour la lumière, hein. On en met juste 3, ça sera suffisant, je pense. Hop, ok. Et donc, bah, on a fini notre gâteau d'un point de vue extérieur, donc ça c'est déjà pas mal. Alors maintenant, on va vraiment faire la construction de la cuisine à l'intérieur. Ça va être vraiment le truc un peu sympa de la construction. Alors la cuisine, pour te remontrer de manière un petit peu plus précise que ce que j'avais montré au début, ça va être une grosse cuisine américaine, bien comme il faut, bien badass, avec voilà, deux blocs de profondeur sur tout le long du mur ici comme ça, tu vois. Un îlot central avec un évier de ouf. Et voilà, un petit peu de décoration sur le côté avec deux gros frigos américains. Deux gros frigales, pardon. Un frigal des frigos, voilà, normal. Voilà, bref, c'était une vanne de merde, mais c'est absolument pas grave. On va prendre du coup, comme tu peux le voir, du quartz pour faire tout le sol de notre gâteau cuisine. On va prendre du demi-bloc de pierre lisse. Ok, on va prendre des escaliers aussi de pierre lisse, de quartz plutôt, et des tapis, hein, parce que c'est joli. Voilà. Puis des blocs aussi comme ça. Voilà, donc on va faire ça tout de suite, et on va déjà, hop, mettre tout le sol en fait du gâteau en quartz. Voilà, on va déjà faire ça, pouf pouf, en commençant par l'entrée, hein, tant qu'à faire. Et tout le sol, on va le changer en quartz rapido. Voilà, hein, comme ça. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va prendre les demi-blocs de pierre lisse, hein, comme ça. Et je vais juste me rappeler les dimensions parce que je les ai plus en tête. Hop, sur le fond, du coup, on va faire sur 4, 5, 6, 7 blocs de large, ok. Ici, sur tout le profondeur, d'accord. Et ici, du coup, on va mettre 2 et 3. Ok, donc, on va prendre les demi-blocs de quartz, comme je disais. Pas du tout, de pierre lisse. Et on va faire ici. À partir du coin, tu vois, de la cuisine, hop, 7 blocs comme ça de longueur, 4, 5, 6, 7, et on va faire, hop, sur 2 blocs de profondeur, comme ça, ok, tout un plan de travail, comme ça, un premier plan de travail. On va faire un deuxième plan de travail, comme ça, qui va prendre toute la longueur du mur, ok, sur le côté, parce que c'est une cuisine balèze, hein, quand même, on va pas se priver, hop, comme ça. Donc ça va être notre premier plan de travail. Ok, il va y avoir un deuxième plan de travail, du coup, qui va être un îlot central, tu sais, au milieu de la pièce, pour faire un peu, voilà, la cuisine à l'américaine de ouf, tu vois. Et on va le faire ici comme ça, c'est-à-dire on va le faire sur 3 blocs par 3 blocs, à 2 blocs d'écart de ce plan de travail-là, et à 3 blocs d'écart de celui-là. Ok? Voilà, donc on va le monter comme ça, hop, au milieu de la pièce. On va tailler dedans plus tard, mais voilà, pour l'instant, on dispose juste les éléments. Ok, donc une fois qu'on a ça, on va mettre aussi sur tout le côté ici, tu vois, de la pièce, une espèce de bande en verre, histoire de faire un petit peu moderne, tu vois, une décoration à l'intérieur de la maison. Hop, on va faire une bande comme ça d'herbe, et on va mettre des feuilles par-dessus. Alors pas, ça va pas être des feuilles, mais des herbes comme ça, des trucs à fumer. Youp, voilà, des hautes herbes. Voilà, pour choper des Pokémon de temps en temps. Une fois qu'on a fait ça aussi, on va poser les frigos américains, s'il te plaît, des gros trucs balèzes comme il faut. Là, tu vois, on va utiliser des blocs de quartz comme ça qu'on va mettre à 6 blocs en tout, tu vois, 6 blocs pour faire des frigos comme ça. Hop, limite, non, on va les espacer que de un bloc chaque, ok?
Une fois qu'on a fait ça, on va prendre les escaliers en quartz et on va casser ce bloc-là, tu vois, des frigos. Pouf et pouf. Et on va utiliser du coup, alors suis bien, un bouton en pierre et des pancartes pour pouvoir faire à la fois la poignée, ok, des frigos et une pancarte ici par-dessus l'escalier à l'envers pour faire un distributeur à glaçons. Tu vois le truc? Ah, c'est pas mal, hein? C'est pas mal du tout. Ok, alors une fois qu'on a fait ça aussi, on va juste faire les tapis vite fait aussi quand même. On va utiliser du coup les carpettes en gris foncé et en gris clair. Et par exemple les carpettes en gris foncé, on va les mettre par-dessus les frigos parce que c'est toujours plus stylé. Et on va faire un grand tapis comme ça qui va faire 3 blocs de large comme ça sur toute la longueur. Et on va juste mettre comme ça une bande de tapis plus clair comme ça sur le tapis. Ça fait un truc un peu moderne, tu vois. C'est plutôt sympa. Ok, donc une fois qu'on a fait ça, on va mettre vraiment les éléments de décoration sur les plans de travail. Et donc sur l'îlot central ici comme ça, hop, on va mettre au niveau du coin ici comme ça juste des demi-blocs, ok, et pas des blocs complets. Et on va faire des éviers avec. C'est-à-dire qu'on va utiliser les mêmes pancartes qu'on a utilisées pour le frigo, hein, ok, donc là j'en avais déjà dans mon inventaire. Et on va les mettre sur le côté comme ça. Hop. On peut même mettre des trucs sur les pancartes du coup pour faire des espèces d'éléments jolis. Et on va utiliser aussi du coup des leviers pour mettre sur le côté. Ici comme ça. Pouf, ok, vers le machin. Et pouf. Alors, est-ce qu'on pourrait faire un. Ouais, non, on pourrait pas. Bref, alors du coup, une fois qu'on a fait ça, on va utiliser des fours. C'est-à-dire, on va utiliser, voilà, des fournaises. Hop, si j'arrive à les choper. Ok, des fournaises comme ça. Et on va les mettre, tu vois, en fond de truc. Tu vois, ici, on a notre plan de travail. Et on va mettre les fours ici, comme ça. Donc, par devant les fours, on va casser les trucs et on va mettre de la vitre. Voilà, des blocs de vitre, carrément. Et par-dessus les fours aussi, on va du coup mettre des rails, mais des rails détecteurs, tu vois, histoire d'avoir des espèces de plaques de cuisson intégrées dessus. Toi, ça fait un truc un peu cuisson, tu vois, un peu dans l'idée, un peu grill. Ok. Et par-dessus ça, en fait, voilà, on va mettre plutôt ici à ce niveau-là un espèce de plateforme comme ça en demi-bloc, histoire de faire croire à de l'aération, tu vois, à une hotte d'aération. Et on va faire hop, prendre le tuyau en fait en demi-bloc comme ça qui va rejoindre jusqu'au plafond. Voilà, comme ça au moins les gâteaux, enfin les espèces de décorations en rouge qui ira sur le toit, en fait ça sera des cheminées techniquement. Ce serait pas du tout logique, mais enfin pourquoi pas. Ok, une fois qu'on a fait ça, on va mettre un évier aussi dans le plan de travail, hein, c'est-à-dire que ici là sur 3 blocs, on va mettre un évier aussi. Comme ça, les éviers vont être énormes, tu sais, dans la cuisine, hein, il faut ce qu'il faut. Hop, ok, donc on va mettre des pancartes comme ça sur tout le long, plus deux sur le côté ici, comme ça, tu vois, histoire de donner un petit côté minimaliste. Enfin, c'est sympathique, ça donne un côté. Voilà, moi j'aime bien. Voilà. On va reprendre les éviers, effectivement, les leviers plutôt, et on va les mettre de chaque côté de notre évier, dans le bon sens. Pour faire bah, un évier, encore une fois, hein, un évier balèze, tout ce qu'il faut. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir ajouter une espèce de planche, tu sais, une planche à découper sur laquelle tu sais, tu mets ton poireau et tu fais des tranches comme ça avec ton espèce de. Enfin, je suis en train de mimer les gestes, mais en vrai, sauf que vous pouvez pas les voir évidemment. Tu sais, où tu fais chac, 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 chac. Enfin, bref, voilà, t'as compris le truc. On va prendre du coup des plaques de pression en bois pour faire ça. C'est-à-dire que, voilà, on va mettre. Voilà, une planche, des planches à découper comme ça. Ok. Donc une fois qu'on a fait ça, on va reprendre les demi-blocs de pierre lisse, hein, et on va les mettre hop par-dessus, tu vois, un petit peu comme ça. Pour avoir une espèce de plan, tu sais, de trucs à déposer, tu vois, on peut. T'as ça souvent dans les cuisines, hein, où t'as des placards en hauteur, ou alors à la place des placards, t'as des espèces de planches comme ça qui permettent qui servent de support tout simplement. Et on va utiliser du coup les machins comme ça, les pots de fleurs pour voilà, faire croire à des à est-ce qu'il y a des choses en fait sur cette petite plateforme. Ok. Et du coup, bah, voilà, il nous reste que un seul petit truc à mettre en fait, ce sont les espèces de décorations qu'on va mettre en plantes, hein, tout simplement. On va utiliser des feuilles et des barrières et on va tout simplement mettre deux ou trois barrières comme ça.
On va en mettre deux. Hop, avec des feuilles par-dessus. Pour faire un petit peu de déco, si tu veux. Et puis voilà. Et puis voilà, et puis voilà, on a une jolie petite cuisine moderne, même ultra moderne, tout ce qu'il faut, dans un gâteau. Moi, je ne fais pas de gâteau dans une cuisine, je fais une cuisine dans un gâteau, ça c'est pas mal, moi j'aime bien. Et puis voilà. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu. Oran, tu me diras si j'ai bel et bien répondu à ton défi. En tout cas, voilà. Alors oui, alors du coup maintenant, parce que là, on va passer aux choses sérieuses, il faut que je nomine des gens, parce que c'est un peu ça l'idée du défi, tu vois, il faut nominer des gens pour qu'il y ait d'autres qui le fassent. Qu'est-ce que je suis en train de chercher? Oui, une canne à pêche. Donc, en ce jour, je nomine Gohan San du Flag Server, évidemment. Je nomine aussi en deuxième position, on peut en nominer trois apparemment, hein, de ce que j'ai compris. Je nomine donc aussi avec l'architecture ludique, Etrota, de avec l'architecture ludique, pour faire un gâteau défi comme ça. Enfin, tu fais un gâteau comme tu voules, que ce soit en survival, en créatif, enfin voilà, tu te fais plaisir. Et en troisième, du coup, c'est je sais pas. Qui je pourrais dire en troisième? Eh! Il me faudrait quelqu'un de connu, c'est histoire de contrebalancer. Bon, bah, je nomine The Fantasio 974. Voilà, je sais qu'il fera probablement pas, mais c'est pas grave. The Fantasio, voilà, je te mets au défi, pourquoi pas. C'est tout. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu. Voilà. Sur ce, très bon jeu à tous, bon vent matelot, et à la prochaine!